Salut tout le monde, c'est Buck, et bienvenue pour ce tout nouveau let's play sur Silent Hill 4 The Room. Et j'en sais plutôt très peu sur ce jeu, je n'ai pas vraiment regardé de synopsis ou de résumé, enfin pas de résumé parce que je sais pas me spoiler l'histoire, ou du truc sur l'histoire, bref. Juste faire un petit tour dans les options pour voir si tout est bien activé, la langue en français, ah le message important en français. Stéréo, ouais, ok. Quelles sont les autres options? Effet de bruit, oui. Couleur du son, oui. Jauge de simulation. Jauge de dissimulation. Icône de dissimulation. Il y a un HUD? Eh non, je suis pas d'accord, moi. Bon, on verra ça plus tard. Donc, je vais commencer. Donc, oui, Silent Hill 4, donc le quatrième volet de la saga des Silent Hill. Donc, vous avez vu l'intro, elle est très très bizarre. Je ne sais vraiment pas quoi m'attendre à ce jeu. J'avoue, c'est plutôt bizarre l'intro parce que je ne voyais pas trop Silent Hill. On aurait dit un jeu d'horreur qui n'avait rien à voir avec Silent Hill, mais c'est pas grave, on verra. Donc, oui, j'aimerais juste d'abord parler de Vive Within. Décidément, c'est le mois des déceptions parce que, bon, Vive Within m'a déçu, c'est officiel, c'est bon. Tout simplement parce qu'en fait, ce n'était pas le jeu d'horreur psychologique auquel je m'attendais. Donc c'est tant pis, c'est pas grave. J'ai arrêté le let's play, je ne sais pas si c'est définitif encore une fois, parce que j'y s'est passé un bug avec le rendu d'une de mes vidéos. Et je pensais que le rendu était bon, j'ai supprimé les vidéos d'origine, et du coup je peux plus refaire le rendu. Donc en fait la vidéo est pourrie, sauf qu'en fait la vidéo elle était d'il y a longtemps. Sauf que depuis j'ai progressé, du coup j'ai pas envie de me refaire le chapitre le plus long et le plus chiant du jeu pour refaire l'épisode que j'ai déjà fait, bref. Ça dépend si je le refais. Non, arrête ça tout de suite. Non. J'ai déjà vu une fois, ça suffit. Donc ça dépend. Soit je continuerai dans très longtemps, soit je l'ai abandonné, je sais pas. On verra. Bref. Avec ça, Silent Hills qui a été annulé et Batman qui est injouable sur PC, vous devez avoir entendu cette nouvelle. C'est génial, c'est moi des déceptions. C'est pas grave. Bref. Enfin, l'année est plutôt des déceptions. On va se mettre en normal. Ah, y'a pas le niveau pour les énigmes? Ah, ça pue ça. Ah, s'il y a pas d'énigmes, je fais un procès. Et je t'ai vu, toi, en haut à droite. Il y a 2 ans, Henry Townshend, emménagé au 302 South Ashfield Heights, immeuble collectif de Ashfield, ville de taille moyenne. Henry était heureux, sa nouvelle vie lui convenait. Ashfield? Ah, c'est pas ça l'antime. Mais il vit quelque chose d'étrange depuis 5 jours. Chaque nuit, il fait le même rêve. Oh, et en plus, pas moyen de sortir du 302. Bah, comment il mange? Oula. Je suis dans l'Overworld déjà? On dirait vraiment les textures de l'Overworld là. C'est un FPS. Ça, je sais que c'est un FPS à certains moments. Qu'on est dans la salle titulaire du jeu, je pense, parce que c'est The Room. Et que qu'on est dans une salle et qu'on est en vue FPS, je pense que c'est The Room. Du titre, je pense, j'espère. Ouah, c'est d'accord. Je vous dérange peut-être. Vous voulez un café? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Là-dedans quoi? C'est plein de sang et de rouille. C'est mon appartement. Mais qu'est-ce qui a mieux pu se passer? Quel bordel, l'air est si lourd, j'ai mal au crâne. Cette photo, c'était là avant? J'en sais rien, ma tête. Ouais. Et moi, c'est tout ce que t'as... Ok. Qu'est-ce que c'est?
C'est plein de trucs poussiéreux, qu'est-ce que ça veut dire? Rien n'est à moi. Cet appartement ou pas? Peut-être que t'as tout foutu en bordel, peut-être qu'il a eu une soirée et qu'il a fait une gueule de bois. Joli lit. Ça, c'est mon lit. Et j'en suis fier. Meilleur lit de l'année. Ouais, c'est pas grave. Bon, super observation. Ça, c'est mon lit. Génial, je dors dedans. Je fais l'amour à ma femme aussi. Bon, eh bien, c'est génial. Ok. Je pensais qu'il y allait avoir une animation. Ok. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Une télé. Stop. D'où vient cette grosse télé? Je croyais que j'avais un tourne disque là. Mais c'est pas ton appartement, mec, hein, tu t'es trompé. Bah, tu peux pas l'éteindre là parce qu'elle me. Ah non, c'est la radio. Je sais même pas ce que c'est une radio. Et c'est-à-dire qu'il y a des monstres à côté, parce que dans Silent Hill, quand il y a la radio, ça pue. Fenêtre, impossible de l'ouvrir. Génial. Bon. Bah, c'est génial tout ça. Bon, les contrôles sont un peu bizarres parce que c'est à console, donc évidemment. Les chaussures. Ces chaussures, elles ne sont même pas à ma taille. C'est l'appartement de qui en fait? La porte est fermée pour de bon. Pourquoi pour de bon? Qu'est-ce qu'elle a cette porte? La porte est bien fermée, elle ne bouge pas d'un poil. Est-ce que j'ai du thé à... Je peux faire du thé? Du bacon? Je n'ai pas faim du tout, ma tête j'ai mal. Elle prend un cachet. Un doliprane. J'ai pas envie de me laver les mains pour l'instant. En même temps, quand tu vois la gueule du lavabo, putain, tu dis que tes mains vont sortir plus sales qu'avant. Mais bon, c'est pas grave. Putain, mon frigo aussi fait du bruit. C'est des pizzas? Ah non. L'odeur, c'est horrible, j'ose pas l'ouvrir. Monsieur, ouvre-le. C'est des pizzas ça? Bon, j'espère que c'est des pizzas. Bon, les textures sont un peu piquantes, mais c'est pas grave. C'est une photo de quoi? Elle est décolorée, j'ai du mal à voir. Ouais, je pense que c'est vraiment la voix. Répugnant, on dirait un visage. C'est un visage. Bon, y'a que moi qui stresse là? Quoi? Non. Et le. Non. What the fuck is that? On dirait les craquelures d'un miroir. C'est des craquelures d'un miroir? Et mon appartement il a l'air plus propre. C'est juste. Ah d'accord. Ok. Ok. Je propose de se casser. Il passe à travers les chaises. C'est la première fois qu'il y a une intro dans le jeu. Et l'intro bug, mais c'est volontaire. Donc j'avoue, j'aime pas ça. Waouh. C'est pas sympa, Ashfield, hein. La porte elle est toute bloquée là. Akira Yomaka aime bien les chaises. Ok, c'est noté. J'avais compris à quoi je jouais, merci. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bug avec les FMV. Enfin, je sais pas si c'est des FMV, mais ça a l'air.
Alors que dans les jeux précédents, ça buguait. Ça buguait beaucoup. Oh, c'est moi! Je suis Henri. Henri Chevalier. J'oublie son nom, sa famille. Oh, man. Waouh. C'est le jeu d'acteur. What a dream. Son visage est le visage de l'ennui. Non? Bon, de 1, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Ah, je peux appeler quelqu'un? Ok. Je le notais. Toujours en dérangement. 5. 2, 4, 9, 8, c'est ça? Putain, écrit trou du cul. Joli, joli veston, il est bien modélisé. 2, 4, 9, 8. J'espère que c'est ça. Trou du cul, je savais que t'allais le faire. Maman, c'est moi. Allô? What? The cord's cut. Ce mec est long à la détente, hein. Putain. Ok, là c'était assez creepy. Mais genre ça aurait été bien qu'il montre le cordon soit coupé, genre avant qu'elle dise help me. Ça aurait été vraiment parfait. Voici la photo de l'église où je suis allé pendant mon séjour à Silent Hill. Oh, c'est l'église où on a trouvé la folle dans le 1. Elle avait quelque chose d'attirant. Alors, je l'ai prise en photo. Ok, il trouve les églises attirantes, lui. Moi, je suis d'accord, les églises... Il y a plein d'objets, mais rien ne vient intéressant. T'avais dit que ça, c'était pas à toi. Bon, ouais, c'est pas grave. C'est une photo prise au hasard dans le centre de Silent Hill. Ah oui, le truc. C'est une ville touristique sympa, à une demi-journée d'ici en voiture. Ah, c'est à côté. Ah, fallait lire plus tôt. Ah bah c'est génial, c'est super mal modélisé. Non, je déconne. Ok, c'est un jeu de PS2, je suis d'accord pour dire que c'est mal modélisé. Il y a quelqu'un là, je la connais. Oh, ouais, je la connais. Et elle semble attendre quelqu'un. Ah, c'est génial ça. Là-bas, il y a quelqu'un là. Il fait quelque chose dans son lit. L'autre, il se cogne la tête là-bas. Et il y a Mémé qui regarde à la fenêtre là-bas. Est-ce qu'il y a un easter egg? Ah, elle est partie, merde. Ah, j'aurais peut-être dû regarder où est-ce qu'elle est partie. Non, là, c'est pas le moment. Il y a Buster qui m'appelle. Attendez. Je. Tout de suite. Je tourne. FAS4. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi si vous voyez ma souris, j'espère pas. Voilà, magnifique. Excusez-moi. C'est marrant ça. Ouh, il fait pas très beau, hein. Moi j'aime bien ça. Il fait pas très beau. Est-ce que je dois appeler ça 3, 7, 5, 37, 50. Bon, allez, ça suffit. C'est sympa ça, on peut regarder par la fenêtre. Bon, on a l'air juste de gros pervers, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux aller dans les. Je suppose que c'est les toilettes. Ouais, on peut y aller. Biatch. Ah, si c'est comme les toilettes de Pity, je suis pas d'accord. Hein. Y a rien à faire ici. Si, si, tu peux assouvir tes besoins nutritionnels. Nutritionnels, moi je dis n'importe quoi. Je n'ai pas envie de me laver le visage pour l'instant. Pourquoi vous vous lavez toujours le visage? Ça sert à rien. Bon, cette salle de bain ressemble beaucoup trop à celle de Pity. Je sais que Pity est sorti après celui-là. Ne vous inquiétez pas, je suis pas con. Enfin, si, un petit peu, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Une salle de bain ordinaire, rien n'a changé depuis que j'ai emménagé il y a 2 ans. Elle est un peu sale, hein, donc je pense que tu l'as pas lavée. Et pourtant, c'est bizarre parce que normalement, tu te laves à l'intérieur, donc en même temps, tu dois la laver. Enfin, lui passer de l'eau, quoi. Parce qu'il faut mettre du produit, tout ça, mais bon, voilà. Vous m'avez compris. Il y a deux télécommandes, ouais. L'électricité est coupée. Et puis, il ne sert à rien. Génial, dans mon rêve c'était pas coupé hein. C'est étrange, il y a quelques jours la télé et le magnétoscope sont tombés en panne d'électricité.
depuis que ces cauchemars ont commencé. Eh bah, tu devrais peut-être appeler un électricien parce que. Waouh, c'est super bien caché! On dirait une coupure prise dans un livre. On dirait que ça a été écrit il y a une paye. Une paille. Grâce au rituel de la Sainte Assomption. Oh putain, non, c'est l'ordre. Fais chier. Il a créé un monde parallèle au monde de notre Seigneur. Il s'agit en fait d'un monde à la fois intégré et séparé du monde du Seigneur. Donc le monde réel, c'est ça? C'est le monde de Silent Hill? Au contraire du monde de notre Seigneur, oh putain. C'est un monde tourmenté. Ah, c'est l'Overworld, plein de portes, de cloisons, planchers mobiles, créatures étranges que lui seul sait maîtriser. C'est qui lui? Ceux qui sombrent dans ce monde y errent éternellement, ils ne meurent pas, ils le hantent comme des esprits. C'est qui le? Notre Seigneur nous pardonnera-t-il une telle ignominie? Oula, ma gorge, c'est un peu serré, je sais pas pourquoi. Cette partie du livre est trop abîmée pour être lisible. Il vaut ne pas trop se charger de ce monde. Dans ce monde, se charger d'un fardeau trop important serait folie. Le livre est trop abîmé, là. Ok. Donc il parle de l'Overworld? Tu? Non, c'est vous. Vous me voyez, biatch. Vous mettez la extrait du livre dans votre album. Je supporte pas qu'on me tutoie. Je déconne. In Washington, a gathering of 200,000 people appealing for stricter gun control laws. Ok. Putain, tout s'est arrêté, je suis à part la radio. Bizarrement. Quoi? Ah, c'est génial ça. No suspects have been found. Police are investigating the source of the shots. Ta mère. T'es le même journaliste que dans Pity qui me dit qu'il y a eu plein de meurtres partout. Il est fou, il danse. Là-bas, il y a Mémé qui est toujours en train de dormir. Comme si elle savait qu'elle faire quelque chose d'autre. Elle pourrait faire des crêpes pour s'occuper. C'est bon, les crêpes. Bon, les textures sont un peu moches, hein, et des fois, elles buguent un petit peu, mais vous pouvez pas vraiment en vouloir à ce jeu. Ce mec, il lui manque une main, ou alors il est peut-être derrière son fauteuil. J'espère, parce que sinon, il y a un problème. Pourquoi les gens, ils passent leur journée à regarder la fenêtre? Ça sert à rien. Bon, ben, j'ai eu un arrêt cardiaque, tant pis, c'est pas grave. C'est pas bien grave, hein. Je vous excuse. Bon, j'espère juste que le jeu va vraiment pas se... Ah, c'est Budapest? Ah non. C'est Frank Sunderland? Eh, foutez pas de ma gueule, hein, je connais James. C'est son frère? Son popo? Son fils? Non, il a pas de fils. Marie est morte. Le directeur de South Ashfield Heights qui m'a donné cette photo. Est-ce que ça va être en lien avec Silent Hill 2? Genre le Silent Hill 3 c'était en lien avec Silent Hill 1 et Silent Hill 4 c'est en lien avec Silent Hill. Oh, ce serait génial. Il y a des mouchoirs là, j'en ai rien. J'avais déjà ces meubles avant d'emménager ici il y a 2 ans. Je m'en contrebalance. Les steaks papa. C'est moi tout gosse et plus tard quand j'ai eu ma licence. Ouais, genre on remarque juste qu'il a un chapeau en carré qui veut dire qu'il a eu sa licence et à côté c'est un bobet. C'est tout ce qu'on comprend. Ah, c'est tout propre. Est-ce que je peux prendre des crêpes? Est-ce que tu as fait des crêpes? Non, d'un petit bonhomme. Il y a juste du vin et un yaourt. Du lait chocolaté. Ouais! Très sucré, provient du réfrigérateur. Vin blanc. Oui. Elle finira par se briser si je l'utilise comme arme. Pourquoi tu envisages d'utiliser une bouteille de vin comme... Ça m'a fait peur. Arme. Tu veux pas te laver les mains, c'est ça? Ouais, c'est ça. Crado. J'ai pas envie de faire de la cuisine. Enfin, la cuisine plutôt. Ces contrôles sont horribles. Pitié, aidez-moi. Oh, le placard creepy. Sans séchoir à linge. Oh putain, sans déconner. Pitié. Pitié, aidez-moi. Il y a un truc du journal là. Rien vraiment chargé. Là, tu ne fais que radoter. Rien d'intéressant. Comme ton appartement n'a rien d'intéressant, je vais bientôt me casser. Il y a des trucs par terre. Je sais pas ce que c'est mon appartement, mais je sais pas. Voilà, je me casse.
que je suis un crétin. D'accord. Il y a 5 jours, j'ai eu ce cauchemar pour la première fois. Depuis, je suis coincé dans ma piole. Et tu penses pas à t'échapper par la fenêtre, des trucs comme ça. Le téléphone est à chaise, là c'est des Léochi et... La télé Léochi. Personne m'entend hurler. Ma fille a brusquement pris une tournure démente. Ah, c'est pour ça que le frigo il est vide. Ma porte est coincée par des chaînes et les fenêtres sont hermétiques. Et en plus, un malade a bloqué ma porte avec des chaînes de l'intérieur. Pour sortir, ça va être coton. C'est quoi ces expressions? Et... D'accord. Ne sors pas, Walter. Quelqu'un me parle. Arrête, petite fille. What's going on here? Tu viens de dire que ça fait 5 jours, donc tu devrais savoir. Oh, regarde, t'as pas le petit truc dans la porte. Non, en fait, c'est une mauvaise idée, regarde pas. Il y a des petites mains. Hey, coquine! Quoi? Hope my luck changes before the party. Oh, ce faux espoir. Oh putain, j'espère juste que je vais pas devoir regarder là plusieurs fois ou sinon je vais faire un arrêt cardiaque. Parce que si je vais regarder et qu'il y a un putain de jumpscare, pourquoi je regarde par là? Et genre, je peux regarder tout le temps? Ne sors pas, Walter. Est-ce que je peux regarder un petit truc? Oh, c'est génial. Oh! Je vais tellement avoir des arrêts cardiaques avec cette connerie. Qu'est-ce que c'est? C'est une malle. Cette malle a du coffre. Pardon? Attends. Mmh. Ça venait où? De ma chambre ou de... Qu'est-ce que c'était? Ben, je sais pas. Pourquoi tu me poses la question? Oula! Il y avait un truc là. Ah, oh, je peux allumer la lumière? Ok, non, je peux pas. Bon, ça semblait venir de là, puisqu'il a, il a pointé du regard. Eh oh! Ah, les voisins ont encore joué avec la perceuse. Ou le marteau piqueur, je sais plus. Attends, il y a quelqu'un qui me parle dans mon... Ça fait 2 fois que tu dis, tu radotes, vieux. Oula. Et tu fais la game, mon émulateur aussi. Somebody in there. Je pense pas que si tu dis somebody in there, tout petit doucement, quelqu'un. Personne va t'entendre. Personne. Et ta chemise super bien modélisée pour l'époque est en train de faire la game. L'émulateur, pour être précis. Comme on en dit, il pourra pas laguer par ça. Bon, fais caca parce que je pense qu'il faut. Moi, je choisis pour ça. Si, si, vite ta vessie, c'est un conseil, l'ami. C'est un conseil parce qu'après, tu pourras pas le faire. Il y a des enfants qui parlent. La question sanitaire est cassée. Bah oui, tu veux faire quoi d'autre? J'ai un tueur en acier. Ronial. Tu rentres dans le trou? Allez! Oh, ça, ça va être horrible. J'aime pas glisser dans les trous, bon, j'ai jamais fait, mais... Je suis pas claustrophobe, pourtant, ça me met mal à l'aise à l'idée de voir quelqu'un dans un petit trou comme ça. Jolie chaussure. Un peu mal texturée, mais bon, c'est la PS2. Pip, pip, pip. Non, t'as pas le droit de faire ça. Putain, réveillons-moi mon voisin qui va se poser encore plus de questions sur ma personnalité. Ok. On retourne en 1960 là. Retour vers le passé. James. Où sont les tuyauteries? Appelez Mario. J'ai l'impression de sortir d'un puits ou du condom ombilical de ma maman. Est-ce que je peux me retourner? Non. Vous êtes arrivé à destination. Nom de Dieu, c'est bizarre. Et c'est beau. C'est beau pour la PS2. Qu'est-ce qu'il fait assis sur les marches? Lui, il est tombé ou... Et pourquoi est-ce qu'il y a un monte-escalier? Enfin, un escalier électrique plutôt. Je me suis endormi, je suis tombé, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, je me suis évanoui. J'ai une question un peu conne. Est-ce que je suis dans l'Overworld déjà? Ça fait 3 fois, mec. 3 putains de fois. Henri, je sens qu'on va bien s'entendre. Bon, il en a rien à faire. Par contre, il se lève même pas. Il attend d'être arrivé tout en bas pour se bouger les jambes. Oh mon dieu, les contrôles ont changé. Oh mon dieu, il ressemble à un soldat américain. Regardez-moi ces animations. Oh non. Comment on joue? Comment on sprint? Oh non, il y a un HUD. Oh non, vous avez pas fait ça. Oh les mecs, non, vous avez pas fait ça. Non, pas d'HUD, c'est pas sa lentille avec un HUD. C'est B. Enfin, c'est rond pour sprinter. C'est quoi ces conneries? Je suis dans le métro. Et pourquoi il n'y a pas d'endroit dynamique? Ok, je vais éviter d'aller par là. Hein. Je vais aller plutôt par là. Mon dieu, il court trop bien. Who are you? Je sais pas, mais toi, tu as des très, très, très gros seins. Henry. And you? This is my dream, and you don't even know my name. It's Cynthia. Your dream. That's right. This is just a dream. And a really terrible one, too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Well, if it's not a dream, what is it? Anyway. I want to get out of here, but I can't find the exit. Say, will you help me find it? I'm kind of scared all alone. I'll do a special favor for you later. It's just a dream, so I might as well have some fun. Okay, je vois le genre. Ça va, Maria? Comment on se retrouve? C'est l'équivalent de Maria, non? Il est hors de question que tu me suives. C'est une publicité quelconque. Aucun intérêt. Ne me suis pas. Non, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça, ma coconne. Non, j'aurais pas dû aller par là. Je vais décéder. Ah non, c'est juste un changement de level. Tout va bien. Merde, je l'entends, il me suit encore. Va par là, c'est un trou. T'es arrivé par un trou, tu peux sortir par le même trou. Enfin, pas forcément par le même, mais par un trou quoi. Bon, on va aller aux toilettes et tout va bien se passer. Wait a minute. I think I'm gonna puke. Non, va pas dans les toilettes. Je t'accompagne pas. Il est hors de question que je t'accompagne là-dedans. Quoi? Pourquoi tu l'attends? Tu la connais pas? C'est une folle! Non? Cliché! Ah! La porte des garçons, ça va. Et si jamais rien. Putain! Merde! J'ai cligné des yeux au moment où il a spawné. Bonjour, petit jaguar. Ouh là là, vous avez votre œsophage qui ressort par votre bouche. C'est des cochons, c'est. Des cochons. Avec un corps de chien. Ils sucent leur ami et lui il en a rien à foutre. Équipe-toi. Nya! Nya! Ah! Ah, merde.
Viens, viens, viens. Viens si tu l'oses. Trou du cul. Ok. Bah. Ah. Oh putain, c'est génial. Qu'est-ce qu'il fait? Dégage. Aïe 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 aïe. Dégage. Dégage. Oula, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Got you. Ah. Raté. Ah merde. Tu m'as eu. Ok. Je suis très mal. Je comprends pas les contrôles. Dégage. Dégage. Dégage, méchant chien. Méchant chien. Oh, méchant chien. Ah non. Dégage. 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 Ah ah. Bon, t'es mort ou t'es vivant? On va dire que t'es décédé, d'accord? Oh non, j'aurais pas dû aller par là. Cynthia? Tu fais pas comme dans Silent Hill 2, hein? Ah merde, c'est pas par là qu'on toque. Personne apparemment. Cynthia? Ah! Ah! D'accord. Bah attends, est-ce que... Je vais vraiment ouvrir ce trou. Non, je vais aller dans les toilettes des garçons avant, parce qu'ils venaient de là, les salauds, donc peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Quelque chose là-dedans? Non, il n'y a rien. Ok, bah on entre vite dans le vif du sujet, hein. Je me fais attaquer par des trucs. Bon. Est-ce que je récupère ma vie ou pas? Non, j'ai pas l'air. Bon, c'est bizarre parce qu'en fait, dans les contrôles de Silent Hill, sont beaucoup... Enfin, dans Silent Hill, les précédents, sont tellement différents à celui-là. Oh, j'espère juste que ça va pas être un jeu d'action. Pitié, non. Pas besoin de ça maintenant. Bon, et les effets de caméra, j'aime ça. C'est cool. Allez, allons-y. Allons dans le trou de l'enfer, qui est beaucoup plus grand que l'autre. C'est dans ma salle de bain. Je vais retourner chez moi. Ah, ouais. Je retourne chez moi. Bon, ça va, il n'y a pas l'animation à chaque fois. Enfin, l'animation, le petit passage. Ah ouais, il y a bien l'ordre dans ce jeu. Merde. Ah, le trou, il mène à ma chambre. Allons à mon lit, plus exactement. What? Another dream. C'est un rêve dans un rêve dans un rêve. But it seems so real. C'est la définition d'un rêve. Or could it be? Was I really inside that woman's dream? Ah, oh, that's just stupid. What am I thinking? Attendez quelques instants. Ouh, j'ai toute ma vie. Mais voilà. Donc j'ai toute ma vie, c'est cool. C'est bien. Donc on... Je peux sauvegarder parce que là, ça fait longtemps que je tourne. Donc j'aimerais bien... Voilà quoi. Quitter. Je vais juste aller voir un coup là-bas. Il y a quelques jours, tu allais bien et puis tu as commencé à faire cauchemar. Oui, je sais, ta maison est commencée à partir en couille au moment où t'as fait tes cauchemars. J'ai compris. Je veux juste aller sauvegarder. Allez, on va sauvegarder. D'ici, biatch. Sauvegarde. Depuis retour du monde du métro. Waouh, ça au moins, c'est clair quoi. C'est détaillé, c'est clair, c'est super. Merci Billy. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Silent Hill 4, que vous abonnerez à la chaîne si ça va déjà fait de mettre un like, de la partager sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Patrick avec eux. Moi, je dis à tous, je vous approche et puis si la porte ou bien. Oh mon... Ah non. Bon bah... ciao tout le monde. Ciao ciao. Dites au revoir à nos voisins. Au revoir voisins.
au revoir. I'm sorry.